Et nous nous retrouvons sur donc Lost in Pyramid. Dans l'épisode précédent, enfin dans les épisodes précédents, on était arrivé à cette salle où quand on a appuyé sur la plaque de pression, ça nous a affiché qu'on avait trouvé l'émeraude. Donc c'est en appuyant sur ces plaques de pression hein, qu'on l'a eu. Que ça a été noté. Donc l'émeraude doit se trouver forcément ici. J'ai une épée de malade. Je one-shot presque tous les mobs. Par contre, je ne vois pas où peut être l'émeraude. Normalement, j'ai le son du jeu, hein. Je sais pas. Oui, c'est parce que attendez. Parce que le son de mon PC est pas très élevé, donc moi j'entends pas beaucoup. Qu'est-ce qui m'attaque? Ah, d'accord. Bon. Ok. Mais j'ai pas l'émeraude. Elle doit être dans le... Elle est là, ok. Non, j'ai la clé. Mais j'ai pas l'émeraude. Ok, là, faut lutter. Ok, creeper électrique. Bon. Je peux pas le détruire. Bon, ok. Ici, c'était un troll. Bon. En fait, ouais, dans cette salle-là, enfin, dans la salle là-bas, apparemment, il fallait juste survivre. Non, il fallait pas juste survivre. Il y a forcément quelque chose. Ou alors c'était censé nous giver l'émeraude et puis et puis ça a foiré. Bon, on va bien voir à l'occasion comment c'est en insérant la clé que la clé c'est là, mais on va voir autre chose avant. Ça peut pas être dans notre Ender Chest parce qu'il était... Oui, alors, j'ai réfléchi le papier, je sais à quoi il va servir. On va se servir du papier. Ça, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je peux stocker? Trop de choses. Ouais, ça j'ai dit que je jetterais. Ouais. Bon. En soi... ouais, je dis beaucoup ça, en soi. Enfin bon. Comment? Mais je vais être sûr de pas être passé à côté de l'émeraude. Donc oui, donc vous avez vu qu'avec Infinity HD, comment les... Les comment les coffres piégés étaient en jaune, donc ça me permet vraiment de repérer très vite. Ok, par là ça remonte, on va continuer en bas là. Bon, en fait, de l'émeraude. Ok, protection 4, mais elle est presque morte. On va. Ouais, on réparera au besoin. Ok, donc ici il n'y a rien. Visiblement il n'y a rien. Ouais, j'ai vu également dans le livre que j'avais peut-être passé des coffres. Oh non, pitié, non! Comment je vais passer ça, moi?
C'est pas possible de passer ça! Faut passer ça à la YOLO? Allez, non. Attendez, ouais. YOLO! Non, j'ai sauté trop vite. Bon. Ahou! Bon. Là-bas, il n'y a rien apparemment. Ok. Bon, bah, c'était moins difficile que je le pensais. On va mettre ça. Apprendre tout ce qu'il y a là-dedans. Oh, ouais, attendez. Juste parce que... Alors ça, je jette, ça, je jette, ça, je jette. Je sais pas où il m'a éjecté, mais il m'a éjecté. Ça, je jette. Non. Je jette les tableaux, je jette le sucre, je jette les bottes en cuir, le pantalon en cuir. Qu'est-ce que tu fais? On garde la chair putréfiée, on jette la graine, elle sert à rien. Le bol, pareil. Bah, c'est tout. Mais l'émeraude, je comprends pas. Attendez, attendez, attendez. Je vais remonter pour vérifier si j'ai pas raté quelque chose. Alors oui, le papier. Alors, je pense avoir deviné à quoi servait le papier, hein, mais j'ai pas du tout été vérifié. Aucune confirmation. Plastron en or, ouais, si tu veux. Attends. Puissance 10, d'accord, ok. Et armo puissance 10, ok, d'accord. Ça servirait à élargir la carte, je pense. Des émeraudes partout. J'espère vraiment qu'on va... Ok. Y a un ghast là-bas. Ah non, c'est un giant. Ah la vache. Ils ont fait spawner un giant. Ok, d'accord, tout va bien. On va le contourner, hein. Oh, il drop quelque chose, non? Ok. S'il faut le buter. Ah, attendez. Ouais, non. Ok. Voilà. Ok, c'est bon, je l'ai. Bon, les giants, ça peut aller. Allez. Ok, d'accord, ouais, donc il droppait bien une clé. Allez, on se foire pas en l'envoyant. Ok. On progresse, on progresse. On est de retour.
tour ici. Et galère. Alors, bon. Alors, je sais pas ce qu'il target, mais il target quelque chose. Bon, ils sont complètement glitchés, les mecs, hein. Mais je peux pas les toucher? Les mecs qui sont glitchés, je peux pas les toucher. Ah ouais, c'est vrai, puis il y a une putain de... il y a un putain de fil dernier ici. Allez. Ok. On recharge la partie là parce que... Ils sont glitchés. Ils sont tous glitchés les machins. Je peux... Ils sont là mais je peux pas les toucher. Ah d'accord, oui, puis j'ai un squelette qui arrive derrière moi. Mal quand même, hein. Ok, là, je suis pas sûr de moi, absolument pas. Je pensais qu'il y avait quelque chose ici, mais non. Bon, non, moi je me retape pas toute la pyramide, hein. Je vous le dis, il en est hors de question. Tout ça, ça je me le retape pas, je m'en fiche, je vous démerdez. En plus je rêve ou je suis pas. Et mon pont n'a pas été changé. Oh non 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 non. Non, faut pas que je me retape tout le parcours quand même. Bon écoutez, puis en plus j'ai pas eu l'émeraude. Donc, cette map est buggée. Désolé d'avoir regardé 4 épisodes à rien, mais de toute façon j'étais censé avoir l'émeraude, même si seulement j'avais l'émeraude. Et si seulement je pouvais casser ces putains de spawners. Mais non, je suis en... Comment? Je suis obligatoirement en... Comment? En comment? En aventure. Et je peux rien faire. Non, franchement, cette map, naze. Les deux créateurs là, non, je suis désolé, votre émeraude, je sais pas où elle est passée. Et le reste fonctionne, mais déjà avec vos preuves à la mort moelle-neu là qui sont saoulantes, les trucs de saut, ça c'est super agaçant. Moi je m'attendais, en lisant la description de votre map, déjà c'était de tomber sur des énigmes en redstone. Donc moi je m'attendais à poser de la redstone quelque part, et déjà je peux pas. Donc, enfin si, je peux poser des boutons, mais visiblement, apparemment, vous n'avez pas prévu ça. Donc, non, donc désolé, cette map, c'est de la merde. Pour parler couramment. Allez, hop, on y va. On fonce. Oui, évidemment, vu que j'ai une armure, par contre, voilà, je peux quand même traverser un minimum le feu, mais bon.
si c'est bon, juste fusionner. Comme je l'avais dit, ça. Ah oui, puis j'ai plus de casque. Qu'est-ce qu'on faire? Attendez, j'ai quoi? J'ai puissance et. Ah, j'avais un projectile protection. Alors attendez, le plus abîmé. Le plus abîmé, c'est celui-là. Celui-là, 12. Le fut allé presque mort en plus. Ah, puis j'ai un P2. Ouais, c'est un P4, ouais. Savoir où est la sortie pour ce labyrinthe finalement. Il est pas là. Il est là. Voilà. Voilà. Bon. Donc si, donc j'ai réussi quand même à le faire assez rapidement. On va déposer le. Par contre, j'ai pas l'émeraude, je suis désolé, il me note que j'ai l'émeraude, mais je ne l'ai pas. Hein. Donc non, donc désolé, mais je vais racheter cette map. Hein. Le diamant pareil, je sais pas où il est. Je tente un truc. Si jamais ils ont pas prévu ça. Non, ils ont prévu une purge. Ok. Et quel con, tant pis. Ce que je voulais, c'était. Bah écoutez, je vais me laisser mourir de faim de toute façon. Je crois que je peux m'empoisonner. Je peux m'empoisonner, je peux me filer la faim. Ah d'accord, ok, ouais, empoisonnement, ouais, à deux ronds, c'est vrai. Non, c'est pas ça que je voulais manger, c'était. Oh, bien sûr, je peux plus manger, résultat. Bon, Ah bah, je suis con. Voilà. Tirez-vous. Attendez, et c'est quoi le truc là-bas là? Parce que. Hop, alors. Ok, oui, bon, en fait, ça nous répétait l'énigme. Donc je sais pas du tout pourquoi dès le départ j'avais été téléporté. Comment la, dans l'épisode 1 où pourquoi j'avais été téléporté dans la pièce là à la con. Ouais, bon. Projet, projet. Projet suicide, voilà. Sans ça, ça sera plus simple, voilà. Et je suis con parce que ici, je n'ai pas de.
Ouais, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est retourner. Retourner ici. Donc. Ouais, voilà. Alors ça s'appelle Bahia Oh merde, c'est un caractère spécial ça en plus. Ouais, alors c'est. Je sais qu'ici c'est un caractère spécial. J'allais voir dans la table ASCII après comment on fait le A avec un point au-dessus. Il me faut un niveau pour ça de toute façon. Attendez. Ça, les 20 niveaux, c'est pas un problème. Je dois avoir pile assez. Ah, j'y crois pas. Bon. Bon. Ah, c'est pas possible. Il me faut 20 niveaux, comment? J'enchante l'émeraude pour qu'elle ait le même nom que celle qui est normalement nous est normalement donnée. Si c'est là. Non, si c'est là où ça tourne à droite, ça tourne à droite et ça tourne à droite. Je suis planté d'intersection ici, je crois. C'est là. Voilà. Bouh. Bon. Ouais, évidemment, mon checkpoint est là. Ce qu'il faut, c'est que je kill du mob. Qu'il est du mob. Où est-ce que je peux farmer? Ici, je crois qu'il y avait un piège en fait. Non, apparemment, c'était un piège unique ici. Il n'y a rien qui s'est ouvert par hasard, non? Hop là. Visiblement, ici, quand on ouvre, voilà, on a des mobs, donc. Voilà. On va les avoir comme ça, nos 20 niveaux. Allez, encore un petit coup. Voilà. Partons dans la salle.
Bon. Y arriver. Petite ellipse, je vais voir dans la table à ski. Alors attendez, je vais déjà renoter. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah bah oui, il faut peut-être que je mette l'émeraude avant. Bon. B. A-H. A. I-A. Alors ici, ce sera le A spécial. Bah, je vais aller voir dans la table à ski comment on fait ce A là. À tout de suite. Ok, attendez. Ok, d'accord. Ils ont prévu le coup. C'est pas vrai. On peut pas utiliser les caractères ASCII dans le jeu. Ah, ils ont tout prévu, les salauds. Ils ont tout prévu sauf le fait que leur putain de map bug. Ils ont tout prévu sauf ça. Bon. Excusez-moi, oh, je crois que j'aime pas enregistrer. Bon, on ne peut pas, donc je répète, on ne peut pas utiliser donc la table à ski sur une enclume. Donc c'était le comment? Donc pour utiliser la table à ski et faire des caractères spéciaux, il faut utiliser Alt et puis taper un code. Donc là c'était le code 143 pour le A avec un point dessus, le A majuscule avec un point dessus. Mais non, eux, en fait, ils ont édité, enfin, ils ont utilisé un éditeur de map pour faire ces émeraudes-là, et ils ont pas prévu que leur map buguait. Les mecs, vous conseillez votre map en 1.7.2, j'y suis, et votre map bug. Vous êtes virés, les gars. Je quitte la map. Je suis désolé. Proposez-moi une autre map comment de type comment énigme pas des trucs de survie parce que ça va me faire rager comme pas deux mais des trucs voilà mais des trucs au moins où en plus la map ne bug pas parce qu'on est tous d'accord que je suis arrivé dans une salle il m'a dit que j'avais récupéré l'émeraude n'est pas dans mon inventaire. Dès que j'arrive ici alors que je devrais pas j'ai été TP dans la pièce à la con là non cette map est foirée je vous le dis donc je vous mets quand même les 4 épisodes ou 5 là que j'ai enregistrés mais moi je dis stop j'arrête là j'en ai marre je sais pas quel âge ont les créateurs de la map mais en solo, déjà en solo ça marche pas hein, leur map. Hein. Alors je suis en solo, 1.7.2, je suis pas sur serveur, j'ai lancé la map, j'ai rien fait à la map, j'ai rien modifié, j'ai rien. J'ai juste téléchargé la map, mis dans le fichier save, lancé avec vous. Et il y a des choses qui ne marchent pas. Donc voilà, donc moi je vais essayer quand même avec l'éditeur de map pour la dernière pour de forcer la porte là du. Attendez, hop, d'ailleurs, on va. Je vais me killer esprit encore une fois. Pour quand même voir ce qu'il y a derrière la map une fois. Enfin derrière les portes une fois qu'on a le dernier item. Le diamant, je sais pas où il est, hein. Alors là. Et à vrai dire, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Bon, mon armure est presque morte mais voilà puis écoutez bah je me mets en mode survie avec un éditeur de map je vais re-télécharger MC Edit et puis bah, on se retrouve quand j'aurai quand, ouais, quand voilà on se retrouve derrière ce truc là allez à plus tard.